I shouldn't generalize, but the vole is really a rather fickle creature, don't you find? Best friend one day, a stranger the next. I mean, I see it as a sign of intelligence more than anything else. No? Anyway, a conversation for another day. I just heard some livestock in New Austin were wiped out by a vicious predator that sounds to me like it could be a rare Sapa cougar. Do you think you could go and check it out for me? If we keep working together like this, we will have a breakthrough. I know it. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. Donc on se retrouve pour une nouvelle chasse légendaire sur un cougar que j'avais cherché parce que j'ai du mal encore à comprendre leur système de mission et d'animaux que tu peux trouver, qu'on peut trouver dans le mode exploration. Donc c'est assez particulier, je ferai une vidéo dessus si je la trouve pas avant mon guide sur l'explorateur. Pour voir la logique en fait derrière, parce que j'ai un peu de mal, parce que pour moi en fait il y a deux types, il y a que des animaux qu'on peut trouver en mode exploration, certains qu'on peut trouver que en mission de ce que j'ai bien compris, mais après le temps de vraiment tout comprendre on verra, mais pour moi c'est ça en tout cas, après j'ai peut-être complètement faux. Alors le cougar ça donne des souvenirs de Red Dead Redemption. Premier. Surtout la grange là-bas. C'était pas Jojo. Alors. Je sais pas, ça doit faire partie de la famille des félins, un cougar j'imagine. Ça va pas être comme les loups et les chiens. Ça va vraiment faire partie d'une autre famille. Même particulier comme animal. Enfin, comme les panthères et tout, ça se ressemble, je trouve. Et ça se trouve, je dis totalement de la merde. Enfin, s'il y en a un qui a fait une école vétérinaire ou quoi que ce soit en lien avec les animaux, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce connard? J'aurais pas tort. Alors, le petit cougar dans cette zone-là. Et aussi, c'est ce que je crois comprendre, il y a une sorte de roulement tous les jours au niveau des animaux légendaires qu'on peut trouver. De ce que j'ai compris. Parce que par exemple, le cougar, je l'avais pas hier, maintenant je l'ai aujourd'hui. Le bison, je l'avais pas non plus, maintenant je l'ai eu. Le feu, est-ce que c'est en lien avec lui? Bah, je pense que oui, vu qu'on n'est pas en mode exploration. C'était un peu une mauvaise question. Oui, parce que maintenant, en mode exploration, c'est ce que j'ai remarqué déjà, il y a beaucoup plus d'animaux. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup plus d'événements, comment on pourrait dire, aléatoires. Allez. Pff, ça a été... J'aime bien comment ça dégage du feu, mais en fait, il n'y a même plus de feu. J'aurais tellement pas confiance de camper comme ça en pleine nature. Enfin, surtout à cette époque-là où les animaux, bon, il y en avait quand même plus que maintenant. Quoi. C'est triste, hein, non. Donc là, faut que je trouve où il puisse être, ce cougar. Alors, c'est le cougar Sapa légendaire. Faudrait que je vois après si ça existe vraiment ou non, ces animaux. Si ça a juste été inventé, les noms pour l'online. Bah, c'est un cougar mon pote, hein, donc faut que j'aille courir. Je pense, j'ai l'impression qu'il va se faire bouffer en fait. Je ne peux rien avoir, je suis protégé par la cinématique. Parce que là, il me fait un peu stresser l'autre. Bah, un peu. Quasi rien. Et je m'en fous, je suis protégé par la cinématique. Alors, une cinématique où il va apparaître. Je sais pas si c'est en voie de disparition, les cougars. Ou s'ils sont menacés, tout ça, parce qu'il y a différentes catégories. Il y a quasi éteinte,
mal de choses. T'inquiète pas, je peux te faire de mal, l'antilope. Là, je suis sur un cougar. Et genre, ça attaque juste ces animaux et ça les mange pas. Hein. Je trouve ça étrange. Pour moi, le cougar, bah, il se nourrit, quoi. C'est un carnivore. Je pense qu'il est vraiment que carnivore, il est pas herbivore. Donc, il est probablement dans le coin. Un autre mec mort. C'est quand même très proche de Tumbleweed. Hein. Après, dans le jeu, c'est normal. Hein. C'est pas fait non plus pour être des grands jeux. Et puis ça reprend un peu Red Dead 1. Qui avait ses limites dû à ses problèmes et dû à l'époque aussi. Et au choix. Toujours un petit truc que j'ai regretté, c'est qu'il n'y avait pas non plus des gros. C'était pas non plus très très grand, hein, même Red Dead 1, à part la ville au Mexique. Même Blackwater, j'ai jamais trouvé ça extrêmement grand. Saint-Denis, ça rapporte quelque chose, et puis tous les petits trucs aussi, hein. C'est pour ça que ça fait plaisir et que j'aime bien le jeu. Merde, c'est pas les bonnes armes. Oui, pour sauver un cougar, j'ai tué 4 humains. Y'a un problème. Dont un que j'ai décapité. Ah, ici il y avait bien une trace. Je vais mettre à charger ma manette. Parce qu'il y avait un petit bruit comme quoi il n'y avait plus de batterie. Là-bas il y a un point blanc, donc j'imagine que ça veut dire quelque chose. Donc je vais aller vous. D'accord, ça ne veut rien. Crips, il peut être dans vos émissions. Je ne savais pas. Donc Crips, on peut l'avoir quand même. J'en parle là vite fait, hein, mais le. De toute façon, je vais pas tuer l'autre, donc je vais prendre vite fait une arme, voilà, qui fera pas de dégâts pour pas le tuer. Le guide, bah bref, à chaque fois quand je mets être le meilleur et le rôle qui est juste derrière, ça arrive. C'est juste qu'il faut que je vois encore 2-3 choses et je compte pas faire comme distillateur où je me suis un peu empressé et qu'au final la vidéo est pas terrible, je trouve. Mais. Ça arrive, il y a des choses à dire, il y a des choses différentes techniques. Ça aborde plusieurs scénarios possibles en fonction de vos choix. Parce que pour moi, il y a plusieurs choix possibles. Hein. Techniquement, ça dépend de votre volonté de passer vite en niveau ou pas. Vous êtes mort, hein. Oh, putain, c'est lui. Je suis mort. Putain, les bâtards. Je m'y attendais pas. Il m'a fait peur. Hop. Ah putain, ils m'ont fait peur. Ça vient en groupe les cougars. Ça m'en prendra à m'être moqué du jeu, à dire ouais, de toute façon, y'a rien qui va m'attaquer. Putain, Mookie, il m'a fait tellement peur. Je vais prélever des échantillons sur les deux. Je vais pas les prendre en photo là. J'imagine qu'eux, ils doivent rapporter pas mal. Mais en tout cas, ok, ok, on peut se faire attaquer par les cougars. On peut se faire attaquer. Je pensais pas que dans la mission, en fait, j'allais tomber sur plusieurs animaux d'un coup, en fait, surtout avant une cinématique. Et que c'est la première fois que je fais cette mission-là. Oh, j'ai ce chapeau au sol. Tant pis. Bah, surprenant. Surprenant bien, parce que là, au moins, ça m'a fait taire et je trouve ça cool qu'ils évitent ça. Donc, ça veut dire pour les autres, il y a peut-être ça aussi. Comme pour les bisons, là où il y a plusieurs bisons, tout ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Surtout pour, le bison, elle est stylée parce qu'il y a plein d'animaux avec lui qui courent et tout, un peu avec le soleil. C'est grave stylé, je trouve. Ah. Il l'avait enfermé. Bah, c'est un peu loupé en fait.
D'accord, les couleurs noires. Il est massif. On va utiliser la technique. C'est pas une bonne technique. Cours, cours. Ouh. Oh la mauvaise technique au final. Il est là. Je me fais canarder de partout. Je me fais canarder de partout que je dis et je me fais one shot. C'est un peu compliqué parce que l'aide à la visée là-dessus, pas ouf. Bah, je dis ça et puis là d'un coup je la trouve bonne. Ouais, faut dormir Gaillard. Il me fait courir. Il dort pas. C'est bon. Je cours, je cours, je cours. Allez hop. Eh ben c'était très intéressant. Après lui il faut voir la peau qu'on peut faire avec lui. C'est immonde ce que je dis, mais bon, c'est un jeu, donc on se calme. Je pense que je ferai une vidéo quand j'aurai fait tous les animaux et toutes les peaux possibles. Ça risque d'être loin parce qu'il y a beaucoup d'animaux, dont ceux qu'on peut trouver aléatoirement. Donc le temps de trouver tout le monde, ça peut vite être gênant. Mais en tout cas, c'était une mission intéressante. Elle était cool. Vraiment, je m'y attendais pas trop au fait que je me fasse attaquer par les cougars, donc ça fait monter en points. Ça c'est clair et net. Donc faites votre avis. Moi, je vous dis salut et à une prochaine vidéo.